Revolution. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une petite caméra vraiment très sympathique. Donc, cette caméra s'appelle donc la Victure 4K Ultra HD Wi-Fi Sport, un peu ressemblante au GoPro. Et restez bien jusqu'à la fin, puisque cette caméra a une particularité plutôt super intéressante. Et vous allez voir qu'à la fin, vous allez être très étonné de cette particularité. Pourquoi ? Parce que vous allez voir que dans cette caméra, il y a quelque chose que toutes les caméras n'ont pas et qui peut être utile à un certain nombre d'entre nous. Voilà, donc on va tout de suite passer à la présentation de cette caméra. Alors déjà, cette caméra, pourquoi je vous la présente ? De par ses specs, en fait, elle a des caractéristiques très spéciales. Et la Victure 4K Wi-Fi. Alors déjà, toutes les caméras ne sont pas Wi-Fi. Ici, vous allez voir que grâce au Wi-Fi, vous allez pouvoir faire énormément de choses via vos différentes tablettes ou vos différents smartphones. Le Wi-Fi, c'est super important. On est là aussi sur une caméra qui enregistre en Ultra HD 4K. On peut aller régler ça directement dans les réglages internes de la caméra, ce qui là aussi n'est pas négligeable. Prise de photo, on a 20 millions de pixels à notre disposition pour la prise de photo. Là aussi, on ne va pas faire la tête, c'est vraiment ultra génial. Alors, c'est une caméra sport, bien sûr, où vous allez pouvoir aussi faire de la plongée sous-marine, descendre jusqu'à 30 mètres, pouvoir faire des photos, comme je vous disais tout à l'heure, à 20 millions de pixels, prendre des vidéos à 30 mètres, donc c'est pas trop mal, très puissant pour une petite caméra de ce genre. Le prix, alors on est sur un prix de 69-70 euros, on va dire. Alors pour son prix, on a vraiment quelque chose de très bon. Je l'ai testé. Au niveau de l'objectif, on est donc sur un grand angle à 170 degrés. On peut faire de très belles photos et de très belles prises vidéo, aussi bien à l'extérieur que sous l'eau. À l'arrière, on a donc un écran. Ici, je vous l'allume. LCD 2 pouces. Vous allez donc pouvoir revoir les films, revoir les photos que vous avez filmées. Avec cette caméra, on a 26 accessoires de livrée. Là aussi, c'est vraiment super. Vous allez voir ici dans la boîte, les 26 éléments sont dans cette boîte. Une batterie supplémentaire de livrée. Donc, on a deux batteries avec la batterie qui est déjà à l'intérieur. Une batterie supplémentaire. Ça fait qu'on peut vraiment faire pas mal de choses avec cette caméra. Alors, lorsque cette caméra est dans son socle de plongée, voilà comment on la retrouve. Elle est donc bien hermétique. Tous les boutons sont accessibles par des boutons poussoirs, bien sûr, hermétiques à l'eau. Donc, le bouton complètement à droite, bouton marche arrêt. Et sur le côté droit de la caméra, on peut s'apercevoir qu'il y a deux boutons. Le bouton pour lancer les différents réglages de la caméra. Un bouton juste au-dessus pour lancer ou la prise de photo ou la prise de vidéo. Avec ces 26 accessoires, vous allez voir que on n'est pas en reste. Et en plus, on a une possibilité d'avoir d'autres accessoires dans une autre petite valisette que je vais vous montrer. Cette caméra est dédiée en fait au sport, est dédiée à la plongée sous-marine, est dédiée à toutes les activités de votre vie quotidienne. Et grâce aux accessoires, vous allez pouvoir la mettre dans différentes situations. Restez bien, comme je vous disais à la fin, vous allez entendre ce qui se passe au sein des paramètres. Vous allez vraiment être étonné de cette caméra. C'est une caméra d'action. A tout de suite pour la suite de la vidéo. Merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. De liker cette vidéo si la vidéo vous plaît. Et bien sûr, la partager avec tous vos amis. Allez, on va tout de suite continuer dans le déballage de cette caméra. A tout de suite pour la suite. Voilà donc la petite batterie supplémentaire livrée avec notre caméra. Voilà. Au niveau des accessoires, voilà tout ce qui est livré avec. Alors, je ne vais pas tout vous détailler, je vous montre un petit peu
tout ce qui se fait au niveau de la caméra. Beaucoup de matériel. Vous avez possibilité de la mettre sur votre bras, sur votre tête, à votre torse. Vous avez des ceintures comme ça pour l'attacher, par exemple, à un drone, si vous avez un drone, etc. Sur le dessus, par rapport au socle hermétique, on a simplement à pousser la petite ouverture et la caméra sort instantanément du bloc pour la plongée. Elle n'est pas livrée avec sa carte SD. On peut donc lui monter une micro SD de mémoire de 64 Go, ce qui est vraiment très bien en termes de mémoire interne. L'avantage du Wi-Fi, ça va être que vous allez pouvoir, grâce à une application dédiée, directement gérer votre caméra à partir de votre smartphone ou de votre tablette. Ça veut dire que l'image qui sera filmée par la caméra vous sera transmise instantanément sur votre tablette ou sur votre smartphone. On va pouvoir avoir un grand écran sur une tablette. Ça, c'est vraiment génial. Je l'ai testé. C'est super. En plus, si on est malvoyant, on a une possibilité d'avoir un plus grand angle, plus grande vision à partir d'une tablette. Ça, c'est super génial. Attention, les paramètres ne sont pas accessibles via une synthèse vocale, mais je vous ai promis une petite surprise, donc vous allez voir quelle est cette surprise. On a par batterie 40 minutes d'autonomie, une caméra qui va vous suivre au jour le jour pour faire par exemple des vidéos YouTube, pour faire des vidéos en famille, pour faire des vidéos si vous faites du sport. C'est vraiment une caméra sympathique à se servir tous les jours. D'autant plus que son prix n'est pas très excessif, donc je trouve ça assez chouette. Comme je vous disais, la petite surprise, vous allez entendre. Commencez l'enregistrement vidéo. Arrêtez l'enregistrement vidéo. Commencez l'enregistrement vidéo. Arrêtez l'enregistrement vidéo. Commencez l'enregistrement vidéo. Arrêtez l'enregistrement vidéo. Commencez l'enregistrement vidéo. Cette caméra possède une petite synthèse vocale qui va nous indiquer qu'on a bien lancé l'enregistrement vidéo et lorsqu'on arrête l'enregistrement vidéo. Alors je trouve ça génial, puisque pour les personnes malvoyantes, on va avoir la possibilité de se servir de cette caméra simplement en entendant qu'on a bien lancé ou qu'on arrête bien notre enregistrement vidéo. Alors c'est super génial, super accessible par rapport à ça, et ça je voulais vous la faire montrer pour ça aussi, puisque cette petite synthèse vocale là nous est bien utile pour certaines personnes malvoyantes. C'est vraiment génial. Je vous mettrai donc le lien directement dans la description, ainsi que le lien de l'application, le nom de l'application. Voilà donc pour cette petite vidéo sur la Victure 4K Wi-Fi Sport. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ferai différentes petites vidéos au fur et à mesure du temps pour vous montrer un peu la qualité. Je vous dirai d'ailleurs quand j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube avec cette caméra pour que vous puissiez me dire votre ressenti. Merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait, de liker cette vidéo, de la partager. Et moi je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être sur la Victure. Je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut à tous.